Bonsoir à tous. Les étudiants sont sur le chemin de la rentrée, un chemin parfois semé d'embûches pour les nouveaux arrivants, d'où l'idée de leur donner un coup de main. À La Rochelle, des étudiants référents sont là pour les guider dans leur démarche et partager leurs bons plans. Et pour les étudiants étrangers qui ne trouvent pas de logement, oui. Est-ce qu'il y a des infrastructures pour les encadrer ? Pas de répit pour ces référents étudiants. Depuis le 1er septembre, ils déambulent dans le campus de La Rochelle. Leur mission, accompagner les étudiants qui font leur premier pas à l'université. Ce sont des missions qui varient au cas par cas, en fonction des difficultés que rencontre l'étudiant. On essaie de répondre, on apporte l'information qu'on a, ou au pire, lorsque la difficulté nous dépasse, éventuellement, on les oriente vers les structures qui existent. Donc, un étudiant, il y a cette barrière-là qu'on enlève et donc on communique mieux et on peut facilement échanger. Logement, transport, restauration, la rentrée universitaire, c'est une nouvelle vie qu'il faut construire avec souvent beaucoup d'appréhension. J'étais dans un lycée qui était dans une campagne, quoi. Donc ça fait bizarre d'arriver comme ça et de devoir se débrouiller un petit peu. Recruté par le Crous et formé par la CAF, ses trois grands frères et sœurs pourront aussi aider à constituer des dossiers administratifs. Et ils ont du pain sur la planche. Cette année, l'université accueille 967 étudiants, boursiers et étrangers. L'accueil, il est pour tout le monde, mais il va être axé prioritairement sur les primo-arrivants. Ils sont chargés de recenser les problématiques, de faire remonter les cas sensibles, les étudiants en situation de difficulté, et nous nous orientons vers les services compétents. Si vous avez raté le coche, pas d'inquiétude, ils seront disponibles toute l'année sur les réseaux et dans le campus de l'université.